Et de deux. Salut, suite à la fuite de l'équipe de refroidissement qu'on a eu dans l'Aveyron, je vais changer les tuyaux pour pouvoir repartir en week-end sereinement. Pour que vous puissiez visualiser, ce sont ces tuyaux-là qui vont jusqu'au moteur et qui repartent là tout du long, hop, par-dessus le réservoir et qui arrivent jusque là. Donc là on va démonter, ça va être un petit peu cracra parce que bah, du coup tout le liquide va tomber. On les a commandés chez Serial Combi, donc en inox, comme ça ça bougera plus et on sera vraiment tranquille. Ouais, il n'y a pas beaucoup de place quand même hein. Ça coule un petit peu à côté. Voilà. Pour vider le circuit, on enlève le bouchon et là ça coule. La vis de purge. Là, c'est ce coude là. On va mettre à côté, hein. Vu que je suis toujours pas équipé avec un vrai bac. Bon, attends ça. Hop. Ah, ça coule encore. Et de deux. Oh là là. C'est ton cas, alors, ça. Ça, c'était un 87 degrés. Ouais. On va te mettre un 80. Je te gêne, là. Oui. J'attends. C'est bon, t'as filmé? Oui. Voilà. Ok, okay. Pardon. Donc là, on remet le manchon sur le thermostat, parce qu'on ne voit pas bien là. Et après, ben, on revisse. Ça, c'est le manchon pour associer les deux parties. Thank you.
C'est de l'à peu près, hein, mais c'est juste savoir où j'en suis. C'est un repère, ouais. Il y a mon problème. Ça y est, il sort. Il arrive. Voilà, c'est mis. On remet les colliers. On va pas y chier le camion. Le petit malin. Oh là là, j'ai peur. Stop, stop, stop. J'ai peur. J'ai peur. Mais c'est comment, j'ai peur. Ton bocal. Ton bocal. Il a bougé. Je veux pas qu'il se renverse dans mon camion, j'ai trop les jetons. Mais non, ça va pas bouger. Si ça se renverse, c'est toi qui nettoie le camion. Hop, alors du coup, bon, on est en train de remplir. Mais c'est la... C'est le buzzer GoWesty qu'on avait installé. Qui donc fonctionne très bien. Hein. Ah, on va le laisser un petit peu chauffer. On l'a mis sur une surface. Où il n'y a pas de tache d'humidité, comme ça on va pouvoir voir si jamais il y a une fuite quelque part. Et donc on va le laisser chauffer, on va remettre un petit peu de liquide éventuellement s'il y a besoin. Là on a mis 12 litres dedans je crois, ça fait déjà pas mal. Et bah, après ce sera bon. Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai remarqué, oui, si, je me dois de vous dire, j'ai remarqué que
74% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Et pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Ça se passe en dessous de la vidéo. Il y a un petit bouton s'abonner avec une cloche pour recevoir les notifications quand il y avait des nouvelles vidéos. Voilà, comme ça, si vous voulez être au courant des petites vidéos qu'on fait, voilà, ainsi va la vie. Et abonnez-vous. Et puis, si vous commentez, ça fait toujours plaisir. Dédicace Arnaud, j'aime beaucoup tes petites blagues à chaque fois. Voilà, allez, ciao ciao. Je vais me décaler pour te laisser la place. Aïe, oh putain, oh, ton pont il est solide. T'as cassé mon pont? J'ai cassé ton pont avec un coup de tête.